Alléluia, alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux, Dieu suprême, Dieu glorieux, Dieu saint, Dieu d'amour, Dieu de compassion, vrai Dieu. Oh papa, je vais te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Merci roi des rois, merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu de gloire. Alléluia, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, alléluia. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 8. Voilà, il faut lire, hein? Il faut lire. Voilà, je vous ai déjà parlé, ça fait combien de mois? Ça fait, je crois, 2 mois ou bien 45 jours. Je vous ai parlé des sacrifices, des esprits maléfiques. Voilà, toi qui veux aller manger mouton des gens, là, hein, il faut faire attention. Alléluia, il faut prendre 1 Corinthiens 8. Voilà. Les viandes sacrifiées aux démons. Alléluia. Ce sacrifice-là, je crois que si tu n'as pas mangé, là, ça ne va rien te faire. Hein. Voilà. Les chrétiens sont très gourmands. Il ne faut pas aller manger la viande sacrifiée aux démons. Les viandes, les moutons sacrifiés aux démons. Il ne faut pas aller manger. C'est interdit par la Bible, par la parole de Dieu. Tu prends, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut lire 1 Corinthiens, le chapitre 8. Il faut lire tout le chapitre 8. C'est consacré à cela. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et les idoles sont sans vie. Alléluia. Voilà, Dieu te dit, Jésus-Christ ne veut pas que tu ailles manger mouton des gens. Alléluia, Jésus-Christ te l'interdit. Je ne vais pas lire, je suis en train de te dire, faut pas aller manger. Alléluia, faut pas aller manger la viande sacrifiée aux démons. Demain, c'est la fête des Tabaski. Tu vas aller manger? Où tu veux aller manger la viande là, la viande sacrifiée aux démons là, il faut arrêter ça. Alléluia, il ne faut pas aller manger la viande sacrifiée aux démons. Il ne faut pas aller manger les moutons sacrifiés aux démons. Alléluia, alléluia, ils offrent ce mouton là, ce bélier là, ils offrent un sacrifice. Alléluia, c'est un sacrifice. Voilà, ils sacrifient ça aux idoles, aux démons, aux esprits impurs. Il faut arrêter, il faut arrêter. Si tu as pris rendez-vous avec quelqu'un pour aller manger de la viande sacrifiée aux idoles, il faut arrêter. Il faut aller toi-même acheter de la viande et puis faire ton souriant pour manger. Faut pas aller manger sacrifice des gens. Alléluia. Ça va pas t'apporter bonheur. Ça va pas te donner la santé. Il faut arrêter. Tu en as mangé plusieurs fois. Bon, tu ne savais pas. Mais il faut lire 1 Corinthiens 8, le chapitre 8. Alléluia. Le chapitre 8 de 1 Corinthiens va te dire que tu ne dois pas aller manger. Alléluia. Il faut sonder les Écritures. Ne va pas manger la viande sacrifiée aux idoles, aux esprits impurs. Alléluia. Il faut t'abstenir de toute souillure. Alléluia. Voilà. Il faut prendre Acte 15, le verset 20. Acte 15, 20. Voilà, il faut lire. Je te donne des versets, des chapitres et des versets. Il faut lire. Alléluia, je ne vais pas lire ça pour toi, mais toi-même, tu vas lire. Alléluia. Mais je vais lire ça. Acte 15, verset 20 qui dit, « Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. » Alléluia. Il faut t'abstenir de tous ces idoles-là. Il faut t'abstenir d'aller manger le mouton des gens. Amen. Ce sont les Kangamani.
Il faut arrêter les Kangamari. Je vous ai dit, le Seigneur me dit, ce sont des païens qu'il faut appeler désormais les Kangamari. Les Kangamari. Kangamani, alléluia, il faut t'arrêter, il faut faire une réflexion, il faut prier et demande au Seigneur de t'aider, alléluia, garde-toi de faire ces alliances, alléluia, il faut te garder de faire ces alliances-là, ce sont des esprits maléfiques, tu vas aller te ramasser des démons, alléluia, c'est votre servante moyen, il faut aimer, il faut partager. Voilà, c'est, je vais vous donner un aperçu de ce que j'ai reçu du Seigneur. Je vous ai déjà enregistré beaucoup de vidéos concernant des viandes, de la viande sacrifiée aux démons. Hein? Voilà, il faut aller sur nos pages là-bas. Vous allez voir, j'ai parlé de ça pendant, je fais combien, 2 ou 3 cassettes de cela. Donc, c'était pour te rappeler un peu de ça, pour que demain, tu n'ailles pas manger la viande sacrifiée à des esprits impurs. Que le Seigneur te bénisse. C'est bon, tout maillé. Apprécie. Il faut aimer dans le nom de Jésus. Amen.